Donc, on s'est intéressé au suivi gynécologique des femmes par les sages-femmes. Donc, c'est un travail qui est issu d'un mémoire de Master 2 qui avait été mené par Mariam Zemmouri en collaboration avec Virginie Ringat. Et ensuite, donc là, nous avons un petit peu approfondi et retravaillé avec Henri sur ces mêmes données et étendu la flash de données. Alors, quelques éléments de contexte, puisque quand même l'organisation des soins de premier recours aujourd'hui est en grande transformation, et particulièrement aussi sur le rôle et les missions qu'occupent les sages-femmes aujourd'hui. Mais vous allez voir que ça reste malgré tout relativement en devenir. Voilà, c'est un peu un démarrage. Donc, pour quelques éléments de contexte, pour illustrer un petit peu dans quoi qu'on travaille et quelles sont les sages-femmes. Regardons ici la carte à gauche en haut. Bon, les couleurs sombres montrent une densité forte de sages-femmes, tout statut confondu, c'est-à-dire tout mode d'exercice, qu'elles soient salariées ou libérales, sachant qu'aujourd'hui, donc 22 000, près de 23 000 sages-femmes sont en activité en France, que la densité moyenne est de 157 pour 100 000 femmes en âge dite de procréer, donc c'est 15-49 ans. Et cette répartition est assez inégale, et tout particulièrement dans les départements et territoires d'outre-mer, où là vous voyez que les couleurs sont c'est même plus le même échantillonnage de couleurs, on est sur des couleurs beaucoup beaucoup plus sombres, puisqu'il y a une très forte natalité par rapport à la métropole et la Corse, et en plus il y a une très faible densité des médecins gynécologues. De fait, dans ces territoires-là, les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans le suivi gynécologique des femmes et pas seulement du coup dans l'accouchement. Donc très souvent, on le disait encore ce matin, on les met de côté parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc là, nous aussi, nous les mettrons de côté. Donc depuis 2012, le nombre de naissances en France a fortement diminué, on le voit sur les courbes en bas. Alors même que, alors fortement, ça ne se voit pas non plus de façon flagrante sur les courbes, mais entre depuis 2012 et 2017, la baisse est à peu près de 7,9% de naissances. Dans le même temps, vous voyez la courbe bleue qui ne cesse d'augmenter, c'est le nombre de sages-femmes en activité. Donc on voit bien que quand même potentiellement, si la natalité baisse et que le nombre de sages-femmes augmente fortement, soit elles ont des nouveaux rôles et des nouvelles missions, soit il va y avoir un peu une espèce de précarisation de l'emploi des sages-femmes. Donc, alors que je vous parlais de la baisse des naissances, bien, donc, on a une démographie des sages-femmes qui a augmenté de plus de 17% entre 2011 et 2017. Donc, il y a des transformations de la structure de l'activité, du contenu, qui n'est pas seulement liée à la démographie des sages-femmes. Donc, il y a beaucoup d'autres données qui rentrent en compte. Alors, principalement exercer, pour l'instant, le rôle des sages-femmes, enfin, ça reste quand même une activité essentiellement un établissement de santé. Donc 63% des sages-femmes aujourd'hui sont salariées hospitalières, mais on a un tiers des sages-femmes qui sont des sages-femmes libérales. Donc 30% aujourd'hui des sages-femmes, enfin aujourd'hui en 2017, sont des sages-femmes qui exercent en libéral. Elles n'étaient que 19% en 2011. Donc c'est pour ça que je parle de transformation quand même très rapide. Donc qui dit libéral dit aussi une structure de l'activité qui va être très différente puisqu'elles ne sont plus sur le plateau technique de l'hôpital où elles assurent la fin de, enfin, l'accouchement et la fin de suivi de grossesse et l'accouchement. Donc quand on regarde les graphiques qui sont en bas là, ce sont les courbes, alors vous ne voyez pas grand-chose mais ce n'est pas grave, plus la courbe est élevée, plus c'est le taux de chômage, d'entrée au chômage des sages-femmes à Pôle emploi. Et donc, en fait, la plus en bas, c'est 2010, la rouge, c'est 2011, 2012 et puis 2013. Donc, vous voyez que chaque année, avec une forte prévalence en septembre-octobre, c'est-à-dire à la fin des études, eh bien, le nombre de sages-femmes inscrites à Pôle emploi ne cesse de croître. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté pour les jeunes sages-femmes qui rentrent sur le marché à trouver un poste de salarié, donc ce qu'elles avaient peut-être imaginé, en tout cas au début de leur formation, et peut-être aussi une difficulté à s'installer tout de suite en libéral, parce qu'elles disent, en tout cas dans certaines enquêtes, qu'il faut quand même un peu d'expérience, et donc elles ont quand même souvent le souci d'avoir un emploi salarié pendant un temps pour finir de se former.
Donc, tout ça pour dire que ça ne devrait pas cesser de se transformer et la structure de l'activité des sages-femmes devrait se poursuivre. Donc, si on se concentre maintenant sur ces populations de sages-femmes libérales, donc comme d'ailleurs pour les hospitalières, la prévalence, la proportion d'hommes est ridicule. Donc, on est à 3% d'hommes, donc on parlera vraiment d'une population exclusivement féminine, exclusivement en secteur 1, c'est-à-dire quand elles sont libérales, elles s'installent en tarif régulé, donc elles ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Et là, je vous avais juste mis ça pour que vous voyiez que depuis 2011, les effectifs de sages-femmes libérales ne cessent de croître, puisqu'on est à près entre 8 et 9% par an de plus d'installations libérales de sages-femmes. Et alors qu'on compare aux autres paramédicaux, effectivement, quand bien même les infirmiers ont vécu de grosses évolutions, ben effectivement, les sages-femmes, c'est encore plus important. Alors, mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elles font en libéral? Et là aussi, les activités se sont quand même grandement diversifiées, uniquement, enfin, pas uniquement justement du fait de ce changement de structure ou de modalité d'exercice. Ça s'est accompagné de dispositifs, et notamment le dispositif du PRADO. Donc le PRADO, c'est un programme de retour à domicile organisé. Alors ça n'existe pas que pour les sages-femmes, hein, ça c'est aussi post-chirurgie par exemple. C'est un programme qui vise à raccourcir la durée des séjours à l'hôpital, quand ça n'a pas de conséquences sur l'état de santé, en l'occurrence de la mère et du jeune enfant. Mais par contre, en instaurant un suivi à domicile et en s'assurant que la prise en charge à domicile se poursuive. Donc là, pour les sages-femmes, ça consiste en l'instauration de 2 visites à domicile par une sage-femme au domicile de la jeune maman pour qu'il y ait ce suivi contre, entre guillemets, un raccourcement de la durée de séjour. Donc il y a eu une enquête qui a montré que les libérales, donc les sages-femmes libérales, témoignent d'un impact significatif de ces nouvelles modalités sur leur propre activité, en considérant que finalement ça génère de l'activité importante, et là pour le coup on est vraiment dans de l'activité un peu différente de ce qu'elles pouvaient exercer dans le suivi de couches. Elles se trouvent donc ainsi à suivre vraiment leurs patientes après la maternité, en se rendant au domicile donc des femmes. Donc ça crée aussi une dynamique de développement de visites à domicile qu'elles n'avaient pas forcément initiée avant et qu'elles peuvent peut-être développer ensuite pour d'autres activités. Donc le PRADO a été un élément important, donc c'est généralisé depuis 2011. Alors, ça ne concerne quand même pas tous les établissements sur tout le territoire, mais il y a eu quand même des phases de grande progression. La loi HPST en 2009 et puis une autre loi de 2016 ont largement développé aussi les compétences et les missions que peuvent avoir les sages-femmes. Donc en définissant la gynécologie de prévention, c'est-à-dire le suivi par les sages-femmes de suivi gynécologique entre guillemets standard, c'est-à-dire dès qu'il n'y a pas de complications. Dès qu'il y a des complications, elles sont censées renvoyer vers un gynécologue. Donc le développement va dépendre de l'aptitude que ressentent les sages-femmes. Et c'est vrai que certaines, c'est assez varié. Les plus jeunes semblent révéler qu'elles ont été formées, elles, dans leur parcours, puisque c'est quelque chose qui est quand même initié déjà depuis quelques années, 2009. Mais les plus anciennes sages-femmes, quand bien même elles ont de l'expérience, ne se sentent pas forcément formées pour faire ce suivi gynécologique. La loi du 26 janvier 2016 permet aux sages-femmes de prescrire et de pratiquer des IVG médicamenteuses, de pratiquer aussi des vaccinations pour les parturientes, mais aussi pour les nouveaux-nés et pour leur entourage, donc les autres enfants des fratries, etc. Elles sont également habilitées à prescrire des substituts nicotiniques. Donc on voit que vraiment leur champ de compétences s'élargit. Elles ont de plus en plus la capacité de faire un suivi relativement complet de la femme tout au long de son parcours de femme. Donc cette partie de l'activité reste encore faible, mais devrait croître du fait du renforcement de ce rôle de premier recours qu'elles ont de plus en plus dans le système. Alors pourquoi? Parce que la démographie des gynécologues de ville ne cesse pour le coup de décroître. Du faible coût relatif des consultations, donc ça aussi c'est peut-être un élément qui peut être attractif. La sage-femme ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Le gynécologue souvent, donc peut-être on peut imaginer qu'on peut faire l'hypothèse que ce soit un accès plus simple, enfin moins coûteux.
du temps de consultation réputé plus long. Alors là, j'ai trouvé ça dans les données de l'ONDPS, mais je n'ai pas trouvé d'où ça venait. Et de la participation croissante des sages-femmes aux structures regroupées. Donc là, on peut imaginer aussi que la participation de ces sages-femmes à ces structures pluriprofessionnelles avec de la délégation, du partage de dossiers médicaux, etc., peut leur permettre plus rapidement de développer des patientèles de suivi, de prévention. Enfin, il y a également eu des revalorisations tarifaires, puisqu'il y a, pour tous les actes qu'elles partagent avec les médecins, un alignement des tarifications, et ces actes sont aujourd'hui certes réalisés par les sages-femmes, mais facturés dans la nomenclature, comme pour les médecins, en CCAM, alors que toutes leurs missions plus historiques restent tarifées dans la NGAP, donc la nouvelle nomenclature, enfin bref, des actes, enfin c'est des acronymes, mais voilà. Donc tout ça pour dire que quand même, quand elles ont des actes qu'elles partagent avec les médecins, c'est les mêmes tarifs. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine convergence et une reconnaissance de leur activité. Donc quand vous regardez ici l'évolution de la structure d'activité des sages-femmes par type d'acte, on voit que, évidemment, les soins de sage-femme restent le cœur du métier, hein, 78% en 2014 versus 81% en 2010. N'empêche que il y a une plus grande part aujourd'hui pour les consultations, les actes techniques, les actes plus type médecin. Et donc, on peut imaginer qu'elles vont poursuivre, puisque 2014, là, on a quand même passé du temps, elles vont poursuivre cette diversification de leurs activités. La consommation de soins de ville pour les sages-femmes, pareil, a beaucoup augmenté. Quand vous le voyez ici, donc on est passé de 136 millions en 2008 à 323 millions en 2017. Donc évidemment, c'est quand même assez éloquent, avec une croissance très très forte, notamment en 2013 où il y a eu une forte extension du Prado. Et ça se retrouve ici dans le tableau du bas qui reprend les honoraires moyens des sages-femmes libérales. Donc on a, par exemple, donc en 2017, en moyenne, 57 800 euros pour une sage-femme par an, avec des taux de progression relativement pas très élevés, mais quand même avec certaines années importantes comme 2013. Alors à l'international, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas encore fait toute la revue de la littérature, mais c'est assez disparate. Et quand on regarde par exemple les documents de l'OCDE, il n'y a rien sur les sages-femmes de très particulier parce que c'est assez difficile. Dans certains pays, elles sont assimilées aux infirmières. Dans d'autres, elles sont différenciées, mais du coup, il n'y a pas moyen de faire vraiment de comparaison internationale facile. Ce que j'ai par contre trouvé, c'est que l'Allemagne, par exemple, a les mêmes problématiques avec des études récemment menées qui montrent la problématique qu'ont les sages-femmes de faire reconnaître par les femmes l'étendue de leurs compétences et de leur niveau d'expertise. Et du coup, elles n'ont pas en face d'elles des femmes qui viennent demander du suivi puisqu'elles ont historiquement assuré seulement la partie grossesse-accouchement. Et on retrouve un peu ces mêmes difficultés peut-être en France. Avec aussi potentiellement des difficultés de limitation ou de faible délimitation des domaines de compétences entre les gynécologues et les sages-femmes. Et bah, du coup, elles ont un peu de mal à trouver leur place. Alors, notre idée dans cette première étape d'un travail, c'est d'essayer de voir, ok, donc on a tout ce contexte qui quand même, on se dit, est très favorable à l'étendue, au développement de la demande de soins de sages-femmes hors période de grossesse, puisqu'on sait que historiquement, ben, tout ce qui est pendant la période de grossesse, c'est pour les sages-femmes. Mais n'empêche, quand elles ne sont plus, quand ces femmes ne sont plus en période de grossesse, est-ce qu'elles vont rencontrer des sages-femmes et si oui, ben, qui sont ces femmes? Alors, nous sommes partis des données de l'EGB, donc l'échantillon généraliste des bénéficiaires, donc un échantillon issu du SNIRAM. Donc l'intérêt par rapport à ces données du SNIRAM, c'est que d'abord, c'est un panel, donc on suit les mêmes personnes dans le temps, qu'elles consomment ou pas. Donc chaque année, on sait, on a un suivi des patients. Donc ces données sont assez exhaustives du point de vue des consommations.
On a tous les actes ambulatoires, la visite de médecin, les médicaments, les tests de laboratoire, etc. Les séjours hospitaliers, ça remonte une fois par an. Les données démographiques des patients, alors c'est assez frustrant. C'est là où je disais que par rapport aux données précédentes, on a quand même assez peu de données. Donc, on a évidemment le genre, la date de naissance. On a le lieu de résidence et le type de fonds. Alors, ce n'est pas le type de fonds public, c'est le type de régime d'affiliation. Ensuite, on a des informations sur les maladies déclarées par les médecins, que sont les ALD. Et on a introduit aussi des données liées à la CMUC pour avoir un proxy du niveau de vie. Donc, notre population d'études va se concentrer sur les femmes âgées de 15 à 55 ans. Alors, on est allé plus loin parce que nous, ce qu'on voulait, c'est justement des périodes hors grossesse. Donc, on voulait du suivi gynécologique. On a des données de 2006 à 2016. Par exemple, donc en 2015, la base de données, notre population d'études, c'était 152 632 femmes. Donc, du fait de l'éligibilité des femmes aux tranches d'âge, eh bien, effectivement, on a un panel qui est non cylindré. Et puis, on a aussi l'entrée décalée, c'est-à-dire que petit à petit, au fil du temps, la MSA est rentrée dans le GB, le RSI est rentré dans le GB, donc on a des flots d'entrée, si je puis dire, de femmes. Alors, il y a un enjeu dans ces données, c'est de définir les périodes hors grossesse. Bon, par un miroir, on définit les périodes de grossesse. Donc, on a utilisé un algorithme qui avait déjà été utilisé dans d'autres articles, mais on y a rajouté un peu notre grain de sel. Donc, on a des femmes qui font une déclaration de grossesse et puis ensuite qui arrivent à la naissance. Et donc, là, pour le coup, on a le bon timing. On sait quand est-ce que ça commence, on sait quand est-ce que ça finit et on rajoute 75 jours à l'issue de la date de naissance pour inclure toutes les suites de couches. Et pour celles qui feraient leur rééducation du périnée un peu en retard, on les sort par ailleurs. Pour celles qui ont un début de grossesse, mais par contre que la grossesse s'arrête pour une raison ou pour une autre, eh bien, on est allé chercher à travers un certain nombre de codes pour déterminer les périodes de grossesse pour ces femmes, même si ça n'arrive pas jusqu'à une naissance d'enfant. Donc, tout ce qui n'est pas grossesse, c'est une période hors grossesse. Donc, on a pu définir pour chacune des femmes chaque jour si elle est dans une période de grossesse ou une période hors grossesse. Et ce qui nous intéresse, c'est le recours des femmes hors grossesse aux sages-femmes. Alors, on va prendre en compte un certain nombre de variables explicatives. Donc, d'abord, des variables qui concernent les femmes, donc il manque un petit S. Donc, l'âge des femmes en classe de 5 ans. Certains proxys de niveau de vie, donc je suis là pour le coup, je suis assez prudente parce qu'on a que des éléments assez frustres. Donc, la CMUC, où là, pour le coup, quand même, ça indique un niveau de précarité assez important. Indice de déprivation sociale du lieu de résidence, donc estimé en 2009. Et ensuite, pour prendre en compte peut-être un accès favorisé ou plus simple à une assurance maladie complémentaire, ben, on a pris des quartiles de consommation aux soins dentaires. On sait que les soins dentaires sont des soins... Je ne prends pas des soins de routine, mais des soins assez chers, assez mal remboursés. Et donc, on a fait des quartiles de consommation de soins dentaires. On a approché l'état de santé par l'ALD, par le recours moyen au médecin généraliste hors période de grossesse. C'est-à-dire qu'on a repondéré évidemment le nombre de recours au médecin généraliste en moyenne par mois pour des périodes hors grossesse, bien sûr par an. Et le régime d'affiliation. On a pris en compte des caractéristiques locales de l'offre de soins, puisque les sages-femmes ne sont pas toutes seules à exercer, elles sont en concurrence, si on peut dire, avec les gynécologues, mais aussi avec les médecins généralistes. Donc, on a inclus dans nos modèles l'APL, donc, qui est l'accessibilité potentielle localisée, qui permet de prendre en compte des équivalents temps plein de professionnels de santé en fonction de leur distance au domicile des patients. Alors, on a bien conscience, et on avait fait quelques analyses descriptives avant, que le fait d'avoir vécu une grossesse ou le fait d'avoir été en contact du coup avec une sage-femme via la préparation à l'accouchement, l'accouchement lui-même ou encore via le prado, peut être effectivement un élément extrêmement structurant du recours
postérieur à une sage-femme. Donc, on a construit une variable pour prendre en compte le temps passé depuis une dernière période de grossesse. Donc, NOP, le premier item, c'est qu'il n'y a pas eu de grossesse du coup. Donc, par exemple, celles qui sont en 2016 qui ont cet item-là, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu de grossesse du tout sur toute notre période d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais eu de grossesse, mais en tout cas, nous, on ne le sait pas. Ensuite, inférieur à 12 mois, ça veut dire que le dernier jour de la période de grossesse est inférieur à 12 mois, 12 à 24 et supérieur à 24 mois pour donner un espèce de décalage dans le temps et savoir depuis combien de temps je n'ai pas été en période de grossesse. Le temps, donc évidemment, ben, on a, je vous l'ai dit en préambule, un certain nombre de modifications structurantes comme la loi HPST de 2009. Donc, on pouvait s'attendre à ce que des effets apparaissent peut-être en 2010, 2011, puisqu'il y avait une extension importante, en tout cas une première extension importante des compétences des sages-femmes. Donc, on a essayé de regarder sur des périodes année par année, et puis ensuite avant-après cette réforme structurante, et ensuite essayer de combiner un peu tous ces effets-là de temps et de grossesse dans le temps. Notre population d'études, alors donc comme je vous le disais, ben, on a chaque année un nombre conséquent de femmes. Hein. En 2007, on en avait 130 000 à peu près. En 2015, on en a 150 000, ce n'est pas exactement les mêmes. Grosso modo, ben, elles sont à peu près comme tout le monde dans la population. Elles sont 10% à peu près à avoir la couverture maladie universelle complémentaire, 8,7% à être en ALD. 90% a consommé au moins 1 euro en 2015. Et vous avez juste ici, j'ai entouré pour le régime d'affiliation pour bien vous montrer qu'effectivement, au cours du temps, on a par exemple le RSI qui est rentré. C'est-à-dire le RSI, c'est les professionnels indépendants qui sont rentrés dans les données de l'UGB. Et en 2007, on n'en avait que 3,7% et on en a 5,61%. Alors ça ne change pas fondamentalement les choses, mais potentiellement, ça peut, on sait bien que certains régimes ne consomment pas les mêmes quantités de certains types de biens, ne serait-ce que d'ailleurs pour des raisons géographiques. Par exemple, la MSA n'est pas implantée de la même façon que le régime général, et en général, ça se traduit par des consommations différenciées. Alors, en termes de grossesse, donc, si je prends, a eu une grossesse, une période de grossesse dans l'année, eh bien, 9,6% des femmes en 2015 ont eu au moins un jour de grossesse sur 2015 et elles sont 4,4% à avoir donné naissance à un enfant. Alors, l'écart vient du fait que vous pouvez avoir accouché fin 2014 et toujours être dans les 75 jours, par exemple, au début de 2015, ou alors vous pouvez être enceinte avec en prévoyant de n'accoucher finalement qu'en 2016. Donc, voilà, ça fait que ça dépasse le calendrier standard de nos données. Et notre variable retardée, Last Pregnancy Index, et ben finalement, ben, les deux premières années, on est obligé de sacrifier 2006 et 2016 pour des raisons d'obtention des données. En tout cas, 2006, c'est pour savoir, ben, effectivement, est-ce que j'ai eu une grossesse il y a tant de temps, etc. Donc, on n'a pas effectivement le recul nécessaire. La méthode d'analyse, ben, on veut juste estimer finalement la probabilité d'avoir recouru à une sage-femme hors période de grossesse. Donc c'est un probability varié, assez standard. Je passe rapidement. Qu'est-ce qu'on obtient? D'abord des données un peu descriptives sur nos recours aux sages-femmes et autres professionnels de santé. Quand on regarde notre tableau ici, donc j'ai entouré en vert, toutes les colonnes de gauche ici, ce sont des colonnes où c'est toutes les femmes, quelles que soient hors grossesse et grossesse. Donc ça veut dire que 5,7% des femmes ont eu au moins recours à une sage-femme en 2015, indépendamment du fait qu'elles aient été enceintes ou pas. Quand je regarde pour des périodes hors grossesse, eh bien on tombe, si je puis dire, à 1,3%. C'est-à-dire 1,3% des femmes ont eu un recours à une sage-femme en 2015, pour une période hors grossesse. Alors, par rapport à 2007, où c'était 0,2% des femmes, il y a une très forte augmentation. Mais ça reste faible, d'accord? On est quand même dans des taux qui restent très, très faibles. Alors, on est en 2015, aujourd'hui en 2019, peut-être que les choses ont changé, mais on reste quand même sur des niveaux très faibles.
Donc, les gynécologues, à l'inverse, ça baisse. Ça baisse, par exemple, pour les femmes qui ont recours à, en général, faisant sur hors période de grossesse. Donc, les gynécologues, en 2007, un tiers des femmes avaient vu un gynécologue. Aujourd'hui, c'est 29%. Ça correspond un peu à ce qu'on se disait. Alors, si on regarde maintenant conditionnel à la consommation, c'est-à-dire conditionnellement avoir une sage-femme, combien je consulte de sage-femme. Pour la population générale, sur les colonnes de gauche, donc on est à 7,92 en 2015, à 8 en 2007. Là, on peut se dire que ça ressemble beaucoup au nombre de séances de préparation à l'accouchement, etc. Quand je regarde pour des périodes hors grossesse, en 2007 et 2015, conditionnellement à recourir, eh bien, je vais recourir 1,85 fois en 2015. Et quand je regarde tout en bas, les médianes et les moyennes, eh bien, ça veut dire que ici, la moyenne, c'est 1,85 visites chez une sage-femme, mais la médiane, c'est 1. Ça veut dire que plus de 50% des femmes ne voient la sage-femme qu'une seule fois. Donc là, pour le coup, ça ressemblerait bien à des visites de gynécologie de prévention qui sont faites donc hors période de grossesse, bien évidemment. Donc, les choses semblent progresser, mais on reste sur des taux très bas, d'où l'intérêt quand même d'avoir à peu près 150 000 femmes dans notre étude. Donc, le recours aux sages-femmes augmente, y compris pour le recours donc hors période de grossesse. Donc ça, ce sont juste les graphiques qui illustrent le tableau précédent, où on voit bien quand même hein, que le recours augmente pour tout le monde, mais particulièrement pour hors période de grossesse, alors que le recours pour les gynécologues baisse, on le voit dans le graphique, le deuxième, et le recours aux médecins généralistes reste relativement stable. Si maintenant je regarde en croisant mon recours aux sages-femmes hors période de grossesse, mais en prenant en compte le fait d'avoir eu une grossesse, je ne veux pas dire un épisode de grossesse, c'est pas très élégant, mais d'avoir eu une grossesse. Donc, je retrouve bien ici que quand bien même j'en ai pas eu, ça augmente. Voilà, on va commencer à recourir davantage aux sages-femmes hors période de grossesse, même si j'ai jamais eu de période de grossesse, mais on est sur des taux de 0,6. Donc, c'est quand même très, très faible. Mais c'est à la hausse. Et par contre, quand on a une grossesse dans les 12 derniers mois, voire dans les 12-24 derniers mois, on a des taux qui augmentent significativement et là on est à 6%. C'est-à-dire que 6% des femmes qui ont eu une grossesse une période de grossesse dans les 12 derniers mois voient une femme l'année suivante en fait, voient une sage-femme l'année suivante. Donc on peut se dire que c'est quand même potentiellement par là que vont se constituer les patientèles des sages-femmes. Alors quand on regarde le modèle un peu plus qui prend en compte un peu l'ensemble des dimensions, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient que plus on est âgé au moment d'entrer dans notre échantillon, dans le GB, ben, plus moins on va recourir à une sage-femme. Bon, ça va de pair avec l'idée qu'on a déjà un suivi gynécologique qui est organisé et que peut-être on ne va pas se réorienter simplement ou facilement vers une sage-femme. Idem pour la CNUC, donc là c'était un peu plus surprenant, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser, ou en tout cas moi je pensais que la CNUC était peut-être un facteur qui faisait qu'on consulterait davantage la sage-femme, puisqu'on est peut-être dans une situation plus précaire, et ben non, les bénéficiaires de la CNU semblent, en tout cas la probabilité de recourir à une sage-femme est plus faible, alors soit parce qu'ils recourent beaucoup moins, soit parce que comme ils n'ont pas de reste à charge, peut-être qu'ils recourent davantage à un gynécologue ou un médecin, mais passer peut-être la classe juste au-dessus. Ça, c'est une hypothèse, je ne sais pas. Pour les recours aux soins dentaires, et donc la prise en compte la dépense en soins dentaires, ce qu'on observe, c'est que finalement, ceux qui n'ont pas du tout de dépenses en soins dentaires recourent moins à la sage-femme. Et que ceux qui y recourent plus, ce sont ceux qui ont des dépenses en soins dentaires, mais moins élevées quand même. Quelque chose qui était un peu contradictoire pour moi, c'est plus il y a de contact avec le médecin généraliste, plus il y a de recours à la sage-femme. Donc est-ce que c'est déjà un effet MSP ou travail en collaboration? Je ne sais pas.
plus l'indice de désavantage social augmente, ce qui veut dire que finalement, plus la commune est défavorisée, alors moins le recours aux sages-femmes est élevé. Donc là, il doit y avoir un problème d'implantation. Ben, c'est le maillage du territoire n'est pas encore suffisamment, entre guillemets, étendu. Et donc peut-être qu'il n'y a pas de sages-femmes implantées à ces endroits-là, installées à ces endroits-là. De la même façon, là c'est beaucoup plus intuitif, plus la PL est élevée, plus les personnes ont accès à des ETP de ces professionnels, et là on trouve des résultats standards, c'est-à-dire que plus il y a de gynécologues, moins l'activité des sages-femmes est développée, hors période de grossesse, et de la même façon, c'est pareil aussi pour les médecins généralistes, mais à moindre échelle. Donc, quelle que soit la façon dont on formalise finalement la prise en compte du temps, et de cet indice de grossesse dans le temps, eh bien, ces résultats sont inchangés. Maintenant, on a compilé le même modèle, mais en considérant différentes façons. Dans le premier modèle, on regarde effectivement comment varie le recours aux sages-femmes en prenant en compte le fait d'avoir eu un épisode de grossesse dans les 12 derniers mois, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plus ma grossesse est récente, plus je vais avoir une probabilité élevée de recourir à une sage-femme pour un moment où je ne suis plus en grossesse. Et cet effet-là n'était pas significatif. Alors, l'effet du temps, et si on regarde un peu avant-après la réforme de 2009, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il semble dans le modèle 1 qu'il n'y a pas de tendance particulière avant. Par contre, il y a une tendance à la hausse et qui va crescendo. C'est-à-dire que plus on se rapproche des années récentes, plus l'effet est fort. Et plus finalement on recourt davantage à la sage-femme. Donc ça semble être une dynamique assez positive. Quand on regarde le deuxième modèle, où là on a essayé juste de lisser un peu ces évolutions du temps, faire de l'avant-après, et ce qu'on se rend compte là, c'est que finalement il y avait déjà une tendance à la hausse, même avant la réforme. Donc là, est-ce que c'était l'effet de démographie des sages-femmes? Il y avait déjà une tendance qui disait que, ben voilà, entre 2007 et 2009, j'étais à moins que 2009, et puis finalement, après, ça augmente. Et quand on regarde le modèle 3, on s'est dit, ouais, mais est-ce que finalement cet effet du temps n'est pas accélérateur avec la grossesse, avec le fait d'avoir eu un épisode de grossesse? Et ce qu'on se rend compte, c'est que cet effet du temps avant, il était déjà là, c'est-à-dire qu'effectivement, en 2007-2009, il y avait une tendance à la hausse, puisqu'elle était faible, mais il y avait déjà une tendance à la hausse par rapport à 2009. Et puis après, le fait d'avoir eu effectivement un épisode de grossesse, ça a un effet quand même extrêmement fort, et particulièrement pour de 12 à 24. Donc là, pour le coup, ça suggérerait qu'effectivement, il y a une espèce de revoyure après une grossesse où ben, peut-être que les sages-femmes parviennent à fidéliser ou à construire une patientèle pour un suivi gynécologique. Alors, ce que semblent dire ces résultats, donc vous voyez, c'est quand même assez exploratoire, on manque encore de plein d'informations, c'est qu'il y avait déjà une tendance à la hausse, mais voilà, le recours reste encore faible, et donc on a encore besoin de beaucoup de données pour l'étudier, parce qu'il y a quand même encore assez peu de femmes qui recourent aux sages-femmes, en tout cas dans ces années-là. Que la loi HPST est probablement, a joué peut-être un rôle accélérateur d'une tendance qui était très faible, mais qui existait peut-être déjà avant, du fait de, comme on le disait, la baisse du nombre de gynécologues de ville, du fait de l'augmentation du nombre de sages-femmes, de la baisse de la natalité. Enfin, voilà, on peut imaginer que plein de facteurs ont joué. Que on est dans une substitution du coup d'une offre de gynécologues qui serait à la baisse vers, donc du coup, une activité de sage-femme. Que les populations les plus précaires ne semblent pas les plus enclines, en tout cas pour l'instant, à recourir aux sages-femmes hors période de grossesse. Donc est-ce que c'est là aussi un problème d'information, de l'étendue des compétences et des missions que peuvent assumer les sages-femmes aujourd'hui? Et voilà, on a vu le rôle très important d'avoir eu un épisode de grossesse pour initier ce contact avec un effet du coup vraiment à un an ou deux, ce qui semble correspondre un peu aux recommandations de suivi ensuite. Alors, pour l'instant, on a assez peu de recul dans le temps, donc il faudrait conforter ces résultats en les menant sur une à deux années supplémentaires, qu'on pourra le faire probablement à l'automne prochain. Pour conforter également cette hypothèse de suivi, il faudrait qu'on s'intéresse aussi à « mais que font ces sages-femmes ? » Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles prescrivent de la contraception? Est-ce qu'elles font des frottis? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles vaccinent? Voilà, qu'est-ce qu'elles font et pour qui?
Et on peut s'interroger aussi sur les nouvelles missions ou peut-être l'extension des compétences qu'elles peuvent peut-être plus développer au sein de ces MSP peut-être pluriprofessionnels, avec une organisation des tâches qui fait qu'elles auraient une vraie délégation des médecins généralistes vers une activité de suivi gynécologique de prévention pour les sages-femmes. Donc tout ça est à poursuivre et donc tous vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie. Tout est très clair. Ah non, mais. Le modèle, pardon? Le modèle HP Remote Cohort qui normalement permet de mettre et les cours, c'est-à-dire les femmes avec grossesse, avec les grossesses sans grossesse, Honnêtement, je ne sais pas si on a assez de femmes qui pour faire constituer vraiment des cohortes de femmes qui consulteraient des sages-femmes. Je ne sais pas si on en a. Notre intervention n'est pas assez longue, peut-être, pour suivre une cohorte. Ben, c'est ça, parce qu'on a quand même 150 000 femmes, mais en fait, on n'en a quand même pas beaucoup qui consultent hors période de grossesse, hein, j'entends. Donc, mais peut-être il faut regarder. Oui, c'est clair, c'est une bonne idée, hein, je pense. On peut essayer. Et nous, on n'avait pas assez de creuser, ouais, non, mais. Merci beaucoup parce que c'était très instructif. C'est pas une question, c'est une proposition. Parce que pour éclairer un peu les problématiques que vous traitez, il se trouve que dans l'enquête qu'on est en train de monter sur la sexualité et la santé sexuelle en France, il y a sur un échantillon qui devrait être assez conséquent, on a des questions sur le suivi gynécologique et sur le suivi par. Un médecin gynécologue, un généraliste ou une sage-femme. Et donc, on aura beaucoup de questions sur les caractéristiques sociales, évidemment, des personnes. Et donc, ça pourrait être sur les études gynécologiques, en particulier sur des pratiques de contraception et de recours à l'IVG, qui pourrait se développer aussi beaucoup dans l'activité des sages-femmes. Vous avez souligné en introduction, la démographie des gynécologues médicaux qui décroît. Mm. Et puis, il y a aussi toutes les réactions là, qui se multiplient de la part d'un certain nombre de, même s'ils sont minoritaires, enfin, du syndicat national des gynécologues, qui, j'imagine, n'incitent pas les femmes à aller voir leur gynécologue quand elles ont besoin d'avoir. Qui peut avoir un effet plus exactement sur les recours des femmes aux gynécologues, surtout pour une IVG médicamenteuse, puisque les sages-femmes ont le droit de le faire et que très peu de gens, en fait, très peu de femmes le savent. Quoi. Oui. Donc, il y a aussi le contexte un peu plus sociopolitique du recours à l'IVG et d'une remise en cause latente de ce droit dans tous les pays européens et notamment en France. Et j'ai vu récemment une position du syndicat national des sages-femmes qui, justement, s'opposer aux déclarations du syndicat national des gynécologues qui affirmait, je ne sais pas ce que ça représente ce syndicat par rapport à la population des sages-femmes, mais en tout cas je trouve qu'il y a aussi quelque chose à creuser au niveau de leur positionnement politique sur la scène de la santé sexuelle et reproductive, où elles semblent, en fait, une partie d'entre elles semble occuper, une place qui reste vraiment à prendre par rapport à une vision un peu progressiste des droits sexuels et reproductifs. Elles ont un discours en termes de droits sexuels et reproductifs, de respect des droits sexuels et reproductifs qu'on entend beaucoup moins dans d'autres sphères de santé.
Non, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux, je pense, très politiques entre les différents corps de. Voilà, entre les différents métiers. Je pense qu'il y a aussi une espèce de concurrence à qui mieux je me distingue. Non, mais historiquement, je pense qu'effectivement, les sages-femmes sont quand même beaucoup plus proches de, des femmes en général, peut-être. Mais ce qui serait le plus intéressant, effectivement, c'est d'avoir la perception des femmes. Et les études que j'ai. Je n'ai pas encore vraiment tout parcouru la revue de littérature, mais ce que j'ai lu là, les deux articles, c'est qu'on s'intéresse à quelles sont les attentes des femmes au regard des soins de sages-femmes, gynécologues, et quelles sont aussi les connaissances de ces femmes sur les expertises et les compétences des sages-femmes. Parce que c'est partout, effectivement, semble-t-il, en tout cas en Allemagne, là, qu'il y a un manque de connaissances, enfin même pas de reconnaissance, de connaissances des compétences des sages-femmes. Enfin, et quand bien même la loi HPST, maintenant, elle a presque 10 ans, mais on ne sait pas. Enfin, je pense que dans la population générale, on ne sait pas que les sages-femmes peuvent faire tout ça. Enfin. Mais oui, je retiens l'idée des questions, des futures données. Bonjour. En fait, c'était comment tu interprétais le fait que ce soit a priori des femmes qui sont plus diplômées, enfin, en tout cas qui font partie des positions sociales les plus hautes, qui recourent le plus souvent aux sages-femmes en dehors de leur période de grossesse. Ma deuxième question, qui est un peu liée aussi, c'est est-ce que vous avez des informations sur le fait de savoir la trajectoire de ces femmes-là, est-ce qu'elles remplacent un médecin, est-ce qu'elles additionnent la sage-femme à un autre médecin, et si oui, lequel? Et ma troisième question, c'était plutôt sur l'effet d'âge, parce que je trouvais ça intéressant qu'en fait, les femmes qui recourent le plus en dehors des périodes de grossesse au gynéco sont celles, les sages-femmes ont eu une grossesse il n'y a pas si longtemps, et je voulais savoir, est-ce que c'était aussi le cas avant 2010. Est-ce que vous avez vu des effets de. Enfin, en gros, une interaction avec l'âge ou... Bah, avant 2010, il n'y a pas de recul. Ah, ils sont pas. Ah, oui, il n'y a pas de recul parce qu'il faut 12 mois avant. Tu peux faire 12 mois avant, comme elle a montré, mais après, tu ne peux plus faire 24 mois avant. Ouais. Parce qu'en fait, on est tout de suite en 2007. Donc, ça, on a, pour le recul, comme ça, on a regardé qu'après 2010, en fait. On a regardé qu'après l'année, en fait. D'accord. Parce que avant, on ne peut pas, parce que on n'a pas mis le GD. Bah, voilà, c'est ça. Il y a 2 ans, en fait. Non, je comprends, mais ça aurait été intéressant, en fait. Mais je pense qu'il y a des chances que y aurait, ce serait plat. Parce qu'en fait, je pense qu'avant vraiment 2010, il n'y a personne d'avoir sa chambre, en fait. Non mais c'est ça, non mais 0,2%, 0,2%, donc on est, c'est avec la marge d'erreur d'être encore un peu en grossesse, voilà, enfin c'est ça. En fait, vraiment c'est... Un peu en grossesse. Non mais... Un peu à moitié quoi. Juste, à quel âge les femmes ont eu leur grossesse, est-ce que si par exemple c'est la troisième grossesse qu'elle a, est-ce que le fait qu'elle aille voir une sage-femme, est-ce que là, elle va avoir plus de probabilité de recourir à un sage-femme pour après? Mais on contrôle de l'âge quand même. On a l'effet d'âge à l'inclusion dans les données. Et l'âge au carré aussi quand même, donc on contrôle de l'effet de l'âge. Tu veux dire une interaction avec l'âge aussi? L'âge plus est-ce que le fait que ce soit ma question, c'est de me demander est-ce que le fait de recourir plus facilement ensuite aux sages-femmes, est-ce que c'est parce que c'est leur premier enfant, ou est-ce que ça vaut aussi quand c'est leur premier enfant? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est leur premier enfant. Vous n'avez pas même pas d'idée sur ça. Et maintenant, on est dans le GB. On dit qu'il y a le GB, mais en fait, je ne sais pas si elle a eu 2 enfants, en fait. Non. Je sais juste qu'elle est dans le GB en 2007. Et si elle a une grossesse. Voilà. Non, on ne sait pas. Elle a eu un enfant, il y a 5 ans. Je ne pas sûr, il y a 5 ans, tous les années. Ah, si, on peut la suivre à partir de. Oui, mais à partir de 2005. Je veux essayer de rester en état maintenant. Savoir si elles ont eu les femmes à moi. Entre 2006 et 2000. Après, tu doutes entre 2006 et
entre 2007 et 2015, elles vont pas avoir 5 enfants. Non, mais là, vous pouvez savoir s'il y a... Donc, bon, c'est rassurant quand Henri puisse suivre les grossesses de ces femmes. Dans le GB, on peut suivre, mais à partir seulement de 2005. Si elles en ont eu avant, on ne le sait pas. Et si elles en auront après, on le saura, mais plus tard. Par contre, pour la question sur pourquoi est-ce que ce serait les femmes moins précaires, finalement, qui consulteraient plus les sages-femmes, ben, mon avis, c'est juste, pour l'instant, mon hypothèse, c'est juste justement l'information. C'est-à-dire que c'est les femmes qui ont le plus de recours, finalement, aux médecins généralistes et finalement, qui ont le plus d'informations sur le système de santé et comment ça fonctionne, en fait, peut-être. Mais à conforter, hein, on n'a pas les moyens d'y répondre là. Et visiblement, ce n'est pas tellement de la substitution. En tout cas, pas avec le médecin généraliste, puisque plus je consulte le médecin généraliste, plus j'ai une probabilité importante de voir la sage-femme. Donc ça, en revanche, on voit bien qu'avec les APL, donc c'est-à-dire, grosso modo, une démographie ou une disponibilité du temps... sage-femme ou du temps gynécologue, on voit bien que là, pour le coup, ça joue à l'envers. C'est-à-dire que plus il y a de gynécologues disponibles dans le coin, moins je vais recourir à la sage-femme. Donc, il y a quand même une substitution qui s'opère, mais pas au sens de recours avec le système de santé, il me semble, mais à conforter. Ouais, moi, je suis intéressée par cette substitution parce que en regardant avec une stagiaire en master de santé publique, là. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2010 et 2016, entre 2010 et 2016, on veut savoir qui a prescrit la contraception qu'elle utilise, donc la contraception médicale que les femmes utilisent, et on voit qu'en fait, on passe de 0 à 5% de sages-femmes. Donc une augmentation d'à peu près 1% par an, ce qui est quand même énorme. Mais en fait, on voit surtout que c'est pas au détriment des gynécologues, mais des généralistes. C'est-à-dire que là où le taux baisse de prescription, c'est par généraliste et pas par gynécologue. Du coup, est-ce que vous auriez les moyens de savoir quels actes, en fait, les femmes sages-femmes font, justement, si en fait elles sont plus... les femmes ont davantage recours à elles pour une IVG ou plus que pour autre chose qui irait soit à l'inverse de nos résultats, soit en concordance avec nos résultats. Alors, ben, on va pouvoir essayer, je pense, dans une prochaine étape, d'essayer de comprendre justement le contenu de cette activité. Ça augmente certes, mais pour faire quoi et pour qui? Donc ça pourrait être intéressant. Et puis ensuite, peut-être à travers d'autres études, on pourrait se demander si justement c'est pas dans le cadre d'exercices regroupés qu'il y a une vraie délégation qui se fait, et notamment des médecins généralistes qui aiguilleraient des femmes. Mais tout ça est à conforter, ça se fera, je pense, là pour le coup, dans d'autres études, plutôt dans l'évaluation de structures regroupées.